Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Bienvenue au Gamma Podcast. Aujourd'hui, je te parle de l'importance des warm-ups et aussi comment construire le warm-up idéal. Avant de commencer le podcast, je veux surtout prendre le temps de voir avec vous autres, puis surtout de vous demander votre aide, parce que si tu aimes le contenu, bien moi, ça me ferait un grand plaisir si tu serais capable de le partager sur tes réseaux sociaux pour faire connaître davantage le Gamma Podcast, mais aussi de t'abonner et de liker le podcast. Surtout, je veux que tu saches que ne de jamais te gêner de nous laisser des commentaires en lien avec le podcast sur des idées que tu aimerais que je mette de l'avant ou même des invités que tu aimerais que j'en parle avec. Ben, c'est pour toi. Parce qu'en fait, le Gamma Podcast, le but, c'est d'éduquer les athlètes, mais aussi peut-être d'éduquer tout le monde, en fait, les coachs et tout ça, pour parler de la performance et parler de d'autres disciplines. Donc, comment on construit le warm-up idéal? La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a plusieurs étapes avant de vraiment commencer de lever pesant. C'est sûr, on embarque plus dans le côté performance au niveau de la force, mais c'est sûr, c'est jamais intéressant de commencer un squat ou un deadlift sans avoir fait un échauffement qui est optimal. Il y en a que si, il va y avoir plusieurs étapes, je vais vous en montrer, c'est qu'est-ce que moi j'aime bien utiliser, mais après ça, il existe aussi d'autres méthodes qu'on peut mettre de l'avant. La première des choses, c'est que c'est super intéressant, c'est super important de ne jamais s'entraîner à froid. Fait que c'est juste de le prendre, même si tu as une journée de travail dans le corps, tu as bougé à l'école ou autre, mais il faut quand même que tu fasses cette activation-là en soirée. Donc, si tu écoutes jusqu'à la fin du podcast, bien, en plus, je t'offre un petit cadeau juste pour toi. Donc, la première étape, bien, c'est de faire des exercices qu'on appelle des exercices de mobilisation pour stimuler le système nerveux. Donc, exemple, en position de l'enfant, bien, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là comme première étape? Bien, c'est de faire des séries qu'on va inspirer puis expirer. Fait que, tu sais, on peut faire ça pendant 2-3 minutes en position de l'enfant. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. C'est ça, c'en est une des premières étapes qu'on peut faire. Puis ensuite, il existe d'autres manières aussi de faire une stimulation du système nerveux. Généralement, qu'est-ce qu'on va faire dans cette phase-là? C'est de rester environ un 4 à 5 minutes dans cette étape-là. Donc, vraiment de stimuler le système nerveux en premier temps. La deuxième étape, c'est de faire des exercices qui sont plus reliés pour les myofascias et pour étirer les muscles. Donc, ça peut être des étirements en PNF, parce que c'est pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un étirement en PNF. Mais en fait, c'est que quand tu vas faire un étirement, exemple, tu veux étirer le quadriceps, bien, ça se peut que tu vas créer une tension. Ça dit comme une contraction pendant, exemple, 5 à 6 secondes, puis là, on va relâcher la tension. Fait qu'on va être capable, en mesure, de gagner encore un petit peu plus de stretching, un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Ça, c'est super intéressant. Tu peux le faire à deux, je vous le conseille fortement. Ou sinon, il existe maintenant des méthodes, c'est qu'on peut utiliser des élastiques, on peut utiliser aussi du matériel pour ça. Donc, c'est étirement en PNF. De plus en plus, je pense à la mode, quand on regarde un peu le powerlifting, le strongman, puis même dans tous les sports de performance, le massage gun, fait que c'est de faire de l'activation, étirer les muscles. Fait que c'est là, on pourrait utiliser les massage guns, les foam rollers, fait que les rouleaux en mousse, ça peut être des balles aussi. Fait que c'est tout ce qui est un peu de ces formes-là. Tu as déjà de venir détendre, c'est de venir stimuler un peu les masses musculaires qu'on va solliciter durant l'entraînement. Fait que c'est généralement, on va faire un 2, 3, peut-être 4 minutes dans cette étape-là. La troisième étape, c'est de faire des exercices qui sont peut-être plus au niveau articulaire. Fait que là, on va aller chercher vraiment les grands, les muscles qui sont aussi qui vont être un petit peu plus en grande amplitude de mouvement. Si on regarde un peu une journée de deadlift ou même pour le squat ou même pour le bench, ça peut être intéressant de le faire. Mais la position, l'exercice de cat and camel, fait que le dos arrondi, dos courbé, une position que souvent en yoga, on l'utilise, mais je pense que ça peut être super transférable aussi dans la force. Donc, c'est d'utiliser un peu ce type d'exercice-là de dos arrondi, dos courbé, ça va faire en sorte de venir vraiment travailler les grandes
d'articulation de ton corps. T'sais. Donc, ça aussi, c'est un même principe. T'sais, on va rester environ 2-3 minutes dans cette étape-là avant de sauter à la quatrième étape. Donc, si on regarde un petit peu bien, là, parce qu'on y va, il y a quand même beaucoup d'étapes. Fait que la première, on y va plus au niveau du système nerveux. Fait que c'est pour la mobilisation, pour stimuler le système nerveux. Fait que ça peut être juste de la position d'enfant comme je l'ai expliqué, ou le crocodile breathing. Fait que c'est inspirer, expirer. La deuxième étape, plus au niveau du myofascia, fait que c'est massage gun, étirement à PNF. Troisième étape, des mouvements plus articulaires. Donc là, une fois que les trois premières étapes sont faites, là, on va sauter à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est plus de l'activation. Fait que là, on va faire des mouvements plus dynamiques. Souvent, si vous jouez dans des sports d'équipe comme le football, le basket, le hockey, soccer et tout ça, souvent, c'est des exercices qu'on met beaucoup d'avant avant de commencer une pratique. Fait que c'est généralement les warm-up que vous faites, c'est super intéressant. Faites un petit jogging pour commencer. Après ça, un peu des stretching en mouvement. Après ça, on fait des skips. Fait que on est souvent quand même beaucoup en dynamique dans ces étapes-là, dans ces sports-là. Fait que il faut vraiment venir travailler un petit peu plus les grandes, toutes les structures qu'on va mettre de l'avant avant votre pratique. Fait que les mouvements plus dynamiques, ça veut dire qu'un mouvement dynamique, c'est qu'il y en a qui n'ont jamais pratiqué un peu ces sports-là, c'est un mouvement que tu vas faire de va-et-vient. Fait qu'exemple, que tu es debout, ben, ça se peut que juste lever la jambe en pleine extension avant-arrière, ça va aider. Il y en a que ça va être de faire des skips un peu, tu sais, des pratiques de course. Fait qu'il existe une panoplie d'activation en dynamique, autant que ça peut être une activation, exemple, du fessier, ben, c'est faire du glute bridge, fait du hip thrust. Ben, tu sais, ça peut être une activation qui est dynamique. Fait que on monte, on redescend pendant une couple de secondes. Fait que c'est aussi, c'est le genre d'étape qu'on va rester environ un bon 2-3 minutes aussi, avant de passer à la cinquième étape. La cinquième étape, c'est pas mal l'une des dernières avant de vraiment commencer l'échauffement, parce qu'en fait, c'est vraiment l'échauffement. C'est vraiment la dernière étape qui est au niveau de l'intégration avant de commencer à travailler avec les barres. Fait que c'est l'intégration à ce niveau-là. On va prendre un exemple comme au squat. Ben, ça se peut que soit prendre un kettlebell, aller en position de squat jusqu'en bas, puis de hold la position. Mais c'est par exemple une série de 20 secondes, mais ça va te permettre de t'activer aussi puis d'intégrer le mouvement qu'on va amener de l'avant aujourd'hui. Donc, c'est plusieurs étapes à ce moment-là. Fait que là, on a les 5 grandes étapes qu'on doit faire, qu'on peut mettre de l'avant, que je vous suggère fortement de mettre de l'avant. Mais aussi, il y en a qui vont faire un peu de cardio au besoin. Il y en a qui vont faire un 5-10 minutes de cardio, d'activation, juste pour dire que le corps s'échauffe. C'est une bonne chose, mais ensuite, il faut quand même continuer à faire les étapes qu'on demande pour s'assurer d'être super bien échauffé avant de faire un gros squat, un gros bench ou un gros deadlift. Si tu écoutes, en fait, je te donne aussi une manière de t'échauffer pour faire tes échauffements d'une façon optimale quand tu vas faire des heavy singles ou tester tes 1RM tout simplement. Je pense que quand on travaille la force puis qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais des fois les warm-up, ils vont aussi en prendre une claque, mais c'est super important d'être super activé. Fait que je vous donne un peu des conseils que moi j'applique de l'avant. Donc, un heavy single, fait que pour ceux et celles, c'est vraiment si tu fais une série d'une rep vraiment pesante. Fait que c'est généralement les warm-up que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la barre, tout simplement. Fait que, exemple, pour squat, tu as la barre sur le dos, pas de poids encore. Tu vas en faire 8 à 10 reps. Tu sais, dans un tempo normal, comme d'habitude. Tu peux faire une deuxième série au besoin. Le pourquoi, c'est que le but, c'est vraiment de sentir que là, c'est tout ton corps est super bien échauffé avant de commencer à ajouter de la charge. Si tu vois qu'après la première série, tu dis, ah, OK, ma hanche va bien, mon amplitude est là, etc. Super bon, on peut passer à la deuxième étape. Si vous voyez qu'il manque encore un peu, mais là, on pourrait faire encore une autre série de 8-10 juste avec la barre. Ensuite, on peut y aller à 30 % du 1RM. Fait que là, on y va à 30 % de votre répétition maximum. Fait qu'on load la barre, puis là, on va faire entre 5 à 8 répétitions.
Fait que là, ça va dépendre de vous autres, de voir si tu en as besoin. Parce qu'en fait, chaque athlète est totalement différent. T'sais, je ne peux pas vous dire non plus, si toi fais 8, puis toi fais tout le temps 8, etc. Ça se peut que tu vas trop brûler, d'autres non. Donc, c'est pour ça que les warm-ups, si on peut donner un guide avec, tu sais, quand on load la barre avec un guide, mais ça reste quand même que les répétitions vont varier d'une personne à l'autre aussi. Fait que 30% du 1RM, 5 à 8 répétitions. Ensuite, on va augmenter encore, on va augmenter environ à 45% de la charge de notre 1RM. Là, on arrondit au besoin. On va en faire entre 4 et 6. On continue à augmenter parce que le but, c'est d'atteindre quasiment le 100%. Fait que là, 60% du 1RM, on va en faire à 3 à 5 répétitions. Ensuite, on augmente à 75% du 1RM, on va en faire entre 2 et 3. Après ça, ensuite, là, on va commencer les singles. Fait que les singles, c'est en fait, tu fais une répétition puis tu l'exécutes la plus rapidement possible. Là, la première, tu peux faire entre 85 et 90% du 1RM. Puis là, si on pense aller faire un heavy single au-dessus, bien là, après ça, bien, on peut continuer. Si vous voyez que vous avez besoin, mettons, d'un petit peu plus de warm-up, assurez-vous de ne pas trop les faire quand ça devient pesant, mais de les faire avant pour s'assurer que vous êtes bien. Mais généralement, si vous avez fait les 5 étapes que je vous ai demandées, vous n'allez pas avoir vraiment besoin de faire des échauffements de plus avec la barre sur le dos parce que vous allez déjà être en masse échauffé. Donc, le warm-up va être super important pour éviter les blessures, pour t'assurer que tu as un bon workout, aussi de prendre le temps, de prendre conscience de ta journée, parce que si vous travaillez en RPE, les warm-up, ben, ça va dire OK, aujourd'hui, ça se peut que ça soit une journée plus difficile, mais ça se peut que les charges demandées ou les RPE demandées, tu vas avoir un petit peu plus de misère, ce ne sera peut-être pas l'idéal, mais tu vas prendre au moins conscience de cette étape-là. Fait que, tu sais, c'est super important. Il y en a beaucoup, des fois, qui vont avoir tendance à les négliger, mais ne jamais les négliger, surtout quand on travaille en force. C'est super, mais super, super, super important. Si toi, tu as écouté jusqu'à la fin puis que tu as compris les 5 étapes, c'est-à-dire que première étape, je fais un petit wrap-up, tu sais, on mobilise pour stimuler le système nerveux. On va, après ça, faire des étirements, plus de style PNF, massage gun, foam roller, des options qui sont quand même assez intéressantes. La troisième étape, on va faire des mouvements plus articulaires. Ensuite, on va faire de l'activation plus dynamique. Puis ensuite, on va commencer à faire intégration du mouvement. Puis là, ensuite, on va commencer avec la barre. Si tu veux, tu peux venir m'écrire personnellement à d-pawi ou gamma.performance sur Instagram. En fait, ça va me faire plaisir. Vous me dites, hey, j'ai écouté le podcast des warm-up. Puis je vais vous envoyer des feuilles pour vous faire une activation au niveau du haut du corps et du bas du corps que j'aime bien mettre de l'avant. Fait, si tu as aimé ce podcast, gêne-toi pas de partager ça. Écris-nous, ça va nous faire plaisir. Et sur ça, je vous souhaite bon entraînement et bonne semaine, gang. Bye.